Pourquoi sommes-nous là? Parce que nous avons une différence d'approche. Nous avons été reçus par Mme Filippetti et par Mme Pellerin. Elles nous ont assuré que nos craintes étaient levées. À Besançon, notre congrès a été une grande réussite puisque jamais la participation n'avait été aussi forte. Directeur du patrimoine ne nous a pas convaincus non plus. Et récemment, notre conseil d'administration a connu une réunion particulièrement agitée où la quarantaine de maires présents étaient prêts à partir en guerre carrément et voulaient que nous instaurions, nous introduisions un système de type révolutionnaire. C'est lui qui a provoqué l'adresse au président de la République et au Premier ministre, ainsi que à la ministre. Bon, nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale par le rapporteur de l'ordre, par Patrick Bloch, qui est président de la Commission culture, au Sénat par la Commission culture, que préside Mme Catherine Morin-Desailly, en présence des rapporteurs, Jean-Pierre Leleu et Françoise Ferrat, par le groupe du Socialiste du Sénat, réunion présidée par Mme Marie-Pierre Monnier. Des amendements ont été préparés, tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls, j'ai évoqué les partenaires, avec les associations patrimoine et environnement et, c'est notable, il faut le souligner, avec des associations du G8.